les enfants sont davantage conscients de leurs propres droits, des droits des enfants, mais aussi de manière générale de la place qu'occupe le droit, à ce moment-là, il est clair qu'ils seront plus à même défendre leurs propres droits, de défendre les droits des autres, c'est-à-dire d'être sensibles au fait que l'égalité en droit règne entre tous les hommes et toutes les femmes, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs différences. Le projet Éducadroit, c'est un projet qui donne aux professionnels du droit une boîte à outils pour intervenir dans les établissements scolaires. C'est un dispositif qui est mis à disposition de tous les adultes qui travaillent avec des enfants. L'idée, c'est non pas de délivrer des connaissances académiques sur le droit, mais vraiment d'avoir des échanges avec les enfants sur ce que ça veut dire de vivre dans une société qui est régie par un état de droit. Le droit des enfants, pour moi, c'est aller à l'école, se faire soigner. On n'a pas le droit de se faire manipuler pour travailler pour quelqu'un d'autre. Être protégé.